Gra tu verrata nictu. Wow. Où suis-je? J'étais à mon appartement il y a quelques heures. J'ai fait un dodo et oh, je suis en Chine. Ça a marché l'incantation. Ça a marché. Mon Dieu, c'est terrible. Bon, ben on n'a plus qu'à visiter, hein. Bienvenue à Shanghai. Petite surprise pour mes internautes. Pas mal, non? Dames en heren, de verlichting van het bordje stil die me vast gaat zo uit. Wij rijden rechteraan om eens... C'est pas très rassurable tout ça. Je suis un peu perdu, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Pas sûr. C'est pas très rassurant tout ça. Mais c'est le départ d'Amsterdam. Donc voilà. Mais vivement que j'arrive.
grosse galère, la grosse galère. Et bien putain, je me suis en mode perdu dans ce truc. Putain, c'est dur, hein. Et me voilà perdu en plein Shanghai. Mon dieu que c'est grand. Rapide du jeu. Par contre, un truc qui est extraordinaire dans cette ville, c'est que voilà. Un scooter qui passe de partout, tu comprends rien de ce qui se passe. Par contre, faut faire gaffe quand on traverse aussi des fois parce que t'as tendance à croire qu'on va se faire écraser. Mais un truc qui est amusant, c'est que tout le monde me regarde. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai une tête de chinois. Ça mérite une mini vidéo, ça. Franchement, j'ai pas de mots, alors des images. Hein. Ah, cette sculpture, elle est excellente. Elle me fait penser à Silent Hill. C'est con, mais là, qu'est-ce que c'est ça? C'est un putain de renard, quoi. C'est un renard. Ok. C'est quand même assez extraordinaire parce qu'on est dans un parc, c'est rigolo. Et d'un coup, on voit des trucs comme ça. Des buildings de partout, quoi. Chou le truc. Ouais, bienvenue en Chine. Enfin, spécialement à Shanghai. Le plus de la Chine n'est pas forcément comme ça. C'est pas une généralité.
Il y a un paquet de monde ici. Et tu vois ça, Rémi, je te la ramène pas, hein. Thank you.
this. It's okay. Hello, we are in the ship to the opposite place. It's already night. Hey, it looks like PlayStation. Yeah. Looks like PlayStation 3. On dirait une PlayStation 3 ce truc. Et là, c'est la PS2 ici. Avec plein de voitures de Fast and Furious. C'est le Soundwave Special Edition Linkin Park. Là, c'est encore une édition platine, trop excellente de Insecticons. Et ici, il y a enfin de vraies éditions où on peut transformer les transformables. Non, franchement, c'est sympa. Hein. Il y a même des trucs qui ressemblent à Ultraman quoi. Ouais, bonjour Grimlock. Ils ont même des masterpieces. Hein. C'est une édition spéciale de Soundwave. Oh, oh putain. Ouais. Une édition platine de Grimlock. Ah oui, d'accord. D'accord, en gros, on est... Ouais. Alors, 600 yuan. 600 yuan, ça nous ferait à peu près dans les 100 euros, environ. Bon, je vais peut-être faire plusieurs vidéos, je vais arrêter là, il y aura d'autres photos.
Thank you.
Greatest night in the history of my life. I just want to say one thing. Yo, Adrian! I did it! Two worlds collide.
We deny our embrace, for worse or for better.
Alors nous voici au centre de Shanghai, enfin au centre, je dirais le quartier central. Là on a un magnifique rond-point, c'est un peu plus, c'est un rond-point. La tour, je dirais que c'est l'équivalent de la tour Eiffel pour nous en fait. Pour eux voilà, c'est leur tour Eiffel à eux. C'est très 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 important pour eux. C'est un patrimoine hyper important aussi. Si t'attaques ça, ben bon, disons que t'es l'ennemi public numéro 1, quoi. Comme pour nous, pour la Tour Eiffel. Voilà. Une idée vient de me traverser l'esprit. Je vais vous montrer comment traverser en Chine, en fait. C'est un peu différent de chez nous. Alors. En fait, on a un passage piéton comme chez nous, sauf que les feux sont un peu différents. Bon, là, t'as une minuterie qui te dit mais quand en fait le feu piéton passera en rouge. Et en fait, c'est tout simple, mais donc, voilà, c'est comme nous, mais après les feux, donc les feux chez eux, ils sont pas comme chez nous, ils sont pas en face de la voiture quand on s'arrête, ils sont en face, mais de l'autre côté de la rue, ils sont là. En fait, c'est quand tu t'arrêtes ici. Un peu chelou, mais je crois que les États-Unis c'est pareil. Donc voilà. Voilà, c'est comme ça. Bon, moi je vais me régaler. Je vais aller au Toys R Us. C'est une bande d'arcade de Wangan Midnight. Ça déchire. Je pense que j'ai pas le droit aux vidéos, donc je fais ça rapidement. C'est classe, hein. Le plus classe, c'est ça. Je me promène tranquillement à Shanghai et à un moment donné je tourne à droite et là je tombe dans ça. Oui, je suis en pleine ville là. J'espère que le son il y est bien parce que on entend les oiseaux, tout ça. On n'entend presque pas la ville. On entend une sorte de ronronnement. Ouais, c'est... Je sais pas, j'ai rien à dire. Ah ouais, mais c'est... Ah, mais c'est grand, en fait. Ah, quand même. Bon, mais on se suit en photo, hein.
Bon, là il est 5h21 du matin. Je suis à Amsterdam. J'ai pas fait de photo du départ de l'avion de Shanghai parce que c'était de nuit, donc on voyait que dalle. Donc voilà, je me rends à mort à ma porte d'embarquement. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors voilà, le voyage est terminé, là on rentre. Je suis à Bordeaux, je n'ai plus qu'à chercher la voiture maintenant. Oh Dieu, quelle horreur. Enfin, je te trouve.